lips, it tasted like those cigarettes staring at the moon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez très très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un haul, book haul, enfin il n'y a pas que des livres, mais enfin haul spécial occasion. Donc il va y avoir Emmaüs, Cash Converters, et j'ai passé une petite commande sur Momox. Donc de toute manière, les achats sur Momox, vous allez sûrement le voir dans une autre vidéo si vous ne l'avez pas déjà vu. Je ne sais pas dans quel ordre j'aurais j'aurais mis les choses en ligne. Donc je vais vous la montrer ici. Donc j'ai passé commande pour 4 livres sur Momox. J'en ai eu pour une vingtaine d'euros, vu que à 15 euros les frais de port sont offerts. Donc j'ai commandé le premier tome de Petit Changeling, donc Esclave d'essence. Donc celui-ci, je l'ai lu et je vous le conseille. Ensuite je me suis pris donc la suite, donc Petit Changeling Vision Torride. Vous voyez les couvertures sont... j'adore les couvertures. Et je me suis pris aussi le tome 3, Caresse de glace. Donc j'adore les couvertures. Bella, non. Voilà, elle va jouer. Puis on a défait le sapin, il y a des bouts de sapin un peu partout. J'arrête pas de jouer avec. Magnifique, j'ai des aiguilles partout. Trop l'éclate. Hein, tu t'amuses comme une petite folle, toi. Et je me suis pris un Christian Higgins, l'amour et tout ce qui va avec, mais celui-ci, j'en suis très déçue. Voilà. Il est dégueulasse. Donc il faut que je vérifie s'il était stipulé qu'il était dans un état pareil, ou s'il était stipulé en bon état. Parce que pour moi, ça, c'est pas bon état. On n'a pas la même notion. Bon, voilà. Voilà pour ma commande. Chez Momox, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos pour ce site là. Le reste, voilà, les Cash Converters et les Emmaüs. Je peux pas trop vous donner l'adresse ou quoi, sachant que ça change chaque review. Hop. Donc ensuite, j'ai trouvé Orgueil et Préjugé, donc aux éditions Hugo Roman, donc de Jane Austen. Il est sorti il n'y a pas très 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 longtemps, celui-ci. Donc je l'ai trouvé à Emmaüs. Donc c'était un livre offert pour l'achat de 2 titres Hugo Roman dans la collection New Romance. Donc ça doit être des invendus. Ils n'ont pas vendu suffisamment du gros roman pour les donner, je pense, ou les gens ne les ont pas réclamés. Mais enfin voilà, ça doit être vendu de Auchan ou d'un magasin de style. Donc moi, je suis super contente. C'est juste que ce con que la pastille, elle s'enlève pas, en fait. Voilà. Donc, mais bon. Je mettrai un petit sticker. Moi, j'étais très très contente de trouver un nouveau roman à Emmaüs. Voilà. 17,09€, hein. Donc, je l'ai jamais lu Orgueil et Préjugés, voilà. Donc je le voulais et je l'ai. Et voilà, Emmaüs, j'ai dû l'avoir pour 2€. 2 ou 3 maxi. Ensuite, j'ai trouvé toujours à Emmaüs Attrape-moi si tu l'oses, donc aux éditions et moi. Il est tout fin, celui-ci. Donc c'est de Nathalie Anderson. Je sais pas si c'est un premier tome ou si c'est un... J'espère que c'est un one shot. Sinon il va falloir que je trouve. Donc je me suis dit, j'aime bien. Je commence à m'intéresser à cette édition là. Donc chez Harlequin. Et je me suis dit pourquoi pas. Il est pas en super super bon état, mais ça va aller. Je vais passer un coup de lingette dessus, voilà, nettoyer un bon petit coup. Il va rejoindre ma pelle. Ensuite, j'ai trouvé toujours à Emmaüs Dame Dani, donc de Lorraine Kate aux éditions Bayard Jeunesse. Celui-ci, j'étais très contente de le trouver aussi.
Ça fait un moment que je lande dessus, voilà, sur l'Ivre Addict. Donc voilà, je trouve la couverture très 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 jolie. Voilà, il est très 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 joli. Joli le petit titre. Voilà, à chaque début de chapitre. Donc il est en super bon état, quoi. Je sais pas combien. Ah bah si, il est à 16,90 normalement, 9. Et bon, là je l'ai eu pareil à 2 ou 3 euros. Donc super content. Ensuite, celui-ci il vient de chez Cash Converters. Donc mon deuxième Kristen Higgins. Donc tout sauf le grand amour. Et là tout à l'heure j'ai eu. Ah oui. J'ai toujours peur que j'ai pris le même en fait, mais non. Parce que oui, les couvertures, c'est toujours sur le thème sucré. Donc voilà, mon deuxième Kristen Higgins aux éditions Mosaïque, et je l'ai eu pour 3 euros. Voilà. Donc très bon état aussi, donc super contente. Voilà. Ensuite, toujours à Cash Converters, j'ai trouvé choisi. De PCK Cast and Christine Cast. Donc je sais pas si c'est mari et femme ou frère et sœur, je sais pas trop. Donc La Maison de la Nuit, donc ça c'est le tome 3, donc je l'ai eu à 2 euros. J'ai déjà le premier tome dans ma palle, j'avais commencé à lire, mais j'ai vraiment eu du mal, enfin j'ai eu quelques, peut-être les 10 premières pages. Et j'avais vraiment du mal à rentrer dans l'histoire, enfin à comprendre un peu le. Ah. Mais bon, j'étais au boulot quand je l'ai commencé, donc faudra peut-être que je m'y remette, mais plus à tête reposée. Parce que oui, j'avais vraiment du mal à rentrer dedans, donc c'est de la bitlite. C'est une histoire de vampires. Ils sont marqués, en fait, les vampires sont marqués avec une lune sur le front, à ce que j'ai compris. Donc. Voilà, il va falloir que je m'y remette, parce que moi je trouve les couvertures, voilà, vous voyez, chacune est très 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 jolie. Le deuxième, il est... non, enfin le deuxième, non, le premier, celui que j'ai dans ma bibliothèque déjà, ils sont très 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 jolis. Donc marquez le premier tome, choisis le second. Du coup, il va falloir que je revange ma bibliothèque autrement, parce que il a pas de place à côté de lui, celui-ci. Donc c'est aux éditions Pocket Jeunesse. Et voilà, pareil, très bon état. Donc très très tente. Ensuite, à Emmaüs, je me suis. Enfin j'ai pris surtout pour Bibou, mais aussi pour moi, parce que je les ai pas. Si. Enfin, il y en a un que j'ai vu et le deuxième, je l'ai entreaperçu en fait. J'ai pas du tout tout, je trouve, je pense. Donc j'ai pris le Roi Lion, un DVD. Pour Bibou, parce que bon, quand il a commencé à regarder des trucs, ça va vouloir le regarder plusieurs fois d'affilée, hein, je pense. Donc voilà, je me suis dit, on va lui faire la collection aussi des DVD, hein, après les livres. Oui, je sais, je suis grave, mais bon. Donc le Roi Lion, donc celui-ci je l'ai vu, et j'ai trouvé aussi Shrek. Celui-ci, je ne me souviens pas l'avoir vu en entier, ça c'est sûr. Donc voilà. J'espère qu'ils sont en bon état. Bon, je ne vais pas les regarder maintenant pour vérifier. Ensuite, celui-ci, je l'ai trouvé à Emmaüs. Donc, en livre de poche, Maxime Chatham, donc la saga Autrement, donc l'Alliance des Trois. Je sais pas si c'est le premier tome ou pas. Je sais pas du tout. Je vous mettrai à l'écran. Mais je sais pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ah, c'est mon petit coup de caisse. Pas du tout. Voilà. Je sais pas du tout si c'est le premier ou pas. Donc, mais cette saga me tente depuis que j'ai lu l'auteur sur les chaînes de Build Up et Nin. Voilà, sa saga m'intrigue fortement. Donc, je crois qu'il y a 7 tomes. 5 ou 7. Donc. Si j'arrive à les trouver voilà, en livre de poche d'occasion, moi je prends. Il est pas très très. Enfin, il est un petit peu cassé là. Hein.
Mais ça va encore. Je suis pas très très fan des pockets, des livres de poche de, en matière générale, à part les petits changing que je trouve très jolis. Mais bon. Ceci, il m'attire. Je veux lire cet auteur. Je verrai bien si c'est le premier ou pas. Celui-là, j'ai dû l'avoir à 1€, je crois. Je sais pas si c'est le premier ou pas. Donc, ça vous explique. Donc, livre de poche, première partie. Donc, je pense que c'est peut-être le premier quand même. Donc, je vous en dirai des nouvelles. Si jamais je le lis prochainement. Je pense pas tout de suite. Ensuite, toujours à j'allais dire France Loisirs, non ? À Emmaüs, j'ai trouvé une édition France Loisirs, donc Un papillon sous la neige. Celui-ci, ça fait plusieurs fois que je le vois. Et à chaque fois, je le regarde, mais je le prends pas. Et bon, bah là, je me suis dit, bah, je vais le prendre. Hein. Il est en plusieurs exemplaires. À chaque fois, je le vois assez souvent. Il est en bon état. Je sais pas trop de quoi ça parle, ce que c'est, mais voilà, la couverture est jolie. Hein. Je suis faible. Je sais pas du tout quel style c'est, si c'est du thriller, si c'est. Je ne sais pas. Ça se passe en Russie. Donc c'est de Daphné Calotet. Calotet, je pense. Donc, à voir. Ensuite, à Cash Converters, je vais trouver aussi le tome 2. Donc, de La Maison de la Nuit. Voilà. Donc, trahi, donc toujours de PC Cast et Christine Cast. Toujours chez Pocket Jeunesse et toujours avec une superbe couverture avec les effets. Voilà. J'aime beaucoup. Donc à voir. Donc voilà, à 2€ au lieu de 14,20€. Hein, voilà. En bon état aussi, donc ça va. Ça va. Ensuite, à Emmaüs, j'ai trouvé Samantha Bonne à rien faire de Sophie Kinsella, donc aux éditions de Bellefond. J'ai jamais lu un livre de cet auteur et j'en entends souvent parler sur la chaîne de Un jour un livre, Myriam. Donc c'est l'auteur de la saga. Attends, comment ça s'appelle là ? Les accros du shopping, voilà, c'est ça, je crois. Donc, il est en bon état. J'ai dû le payer 2 ou 3€ au lieu de 18. Donc, moi, ça me suffit. Donc, ça doit être de la cheap lead. Hein. À voir. Donc, ça sera mon premier Sophie Kinsella. Ensuite, toujours chez Emmaüs, j'ai trouvé. C'est pas mon genre de lecture. Voilà, je vais sortir de ma zone de confort. Mais voilà, il est relativement récent. Et il est en très bon état. Il n'était pas cher. Et voilà. Et j'en ai entendu parler il n'y a pas très longtemps. Donc c'est Derrière la haine de Barbara Abel. Donc aux éditions Fleuve Noir. Voilà, un jour, je pense plus lire ça en été ou voilà. Ne pas me retrouver ça à lire ça en automne ou en hiver pour être encore plus au fond du gouffre, non. Donc mais voilà, pourquoi pas tenter un thriller. Moi qui aime bien regarder à la télé les enquêtes exclusives, les trucs comme ça, un peu crime, voilà. Ces trucs-là j'aime bien regarder, c'est un peu morbide, mais je sais pas pourquoi. Dès que je commence à regarder, je suis happée par le programme, donc pourquoi pas tenter un thriller. Pire, c'est vraiment, j'aime pas, je l'abandonnerai, hein, mais voilà. Je préfère l'acheter d'occasion que l'acheter neuf.
Et voilà, m'a mordu les doigts, quoi. Je sais pas à combien il était de base. Là, j'ai un autocollant marté par-dessus, donc je sais pas. Mais voilà. Je l'ai vraiment pas eu cher. J'ai dû l'avoir à 2 euros sur. Et encore, on a fait des gratuits. Alors. Toujours à Emmaüs, j'ai trouvé l'empreinte de 5, donc de Pythagus Lore, aux éditions J'ai lu. Donc c'est la suite de numéro 4. Le souci, c'est que c'est pas la même édition. Mais bon. Je me dis, celui-ci, je vais le laisser exposer et les autres, je les mettrai peut-être. Mais bon. Encore faut-il que j'arrive à les trouver tous d'occasion. Hein. J'aimerais bien. Donc j'ai adoré le premier, donc j'ai hâte de lire la suite parce que bon bah forcément il n'y a pas eu de suite au film, ce qui est très 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 dommage. Donc il faut que j'arrête avec mes donc. Alors il faut que je le dise. C'est, il y a différents types d'écriture à l'intérieur. Il y a un coup c'est comme ça, un coup c'est écrit normal. Oh non, ça part pas normal, normal, là. C'est en italique, là. Et là, c'est écrit normal. Donc, trois sortes d'écriture. Oui. Donc, science-fiction, hein. Ça parle d'extraterrestres. Je vous conseille le film si vous ne l'avez pas vu, numéro 4. Oh, ça a tombé, ça a tombé, ça a tombé. Ensuite, celui-ci, je l'ai encore trouvé à Emmaüs. Donc, c'est encore un nouveau roman. Donc, toujours avec la pastille offerte. Ouais. Mais voilà, quoi, c'est du nouveau roman. Celui-ci, je l'ai déjà lu. C'est un peu une sorte de télé-réalité voilà, de chanson. J'avais bien aimé, mais sans plus. Mais la couverture est très très jolie. Et pareil, bah, il va falloir que je mette un sticker pour cacher ça, je pense. Mais il est en très bon état, hein, il est neuf. Hein, donc, voilà. Oui, déjà lu celui-ci. Oh, j'ai fait une pile, là, je vous dis pas. Ensuite, celui-ci, je l'ai trouvé aussi à Emmaüs. Donc, c'est un hardback. Ce qui m'a happé vers lui, en fait, c'est l'écriture. Donc c'est Un baiser, l'addition de Heather and Rose McDowell. Donc voilà, regardez l'écriture, c'est l'écriture de Disney. Donc voilà, c'est la. Voilà. C'est la police de Disney, donc ça m'a. Donc c'est aux éditions France Loisirs et donc c'est un hardback. Je sais pas trop, voilà, il est tout rouge en dessous de la jaquette. La tranche est quand même. Voilà, tout simple. Mais je sais pas si je vais laisser la jaquette quand même. Je sais pas. Mais voilà, un hardback pour 2 ou 3 euros. Voilà. Et ça m'a l'air de la chiclite. Donc peut-être avec une petite histoire d'amour dedans. Donc. Pourquoi ne pas le prendre, quoi, hein? Ensuite, oui, il y en a encore, il me reste 4. Alors, j'ai trouvé à Cash Converters, direct quand je suis arrivée, j'y croyais pas, voilà, j'étais là, non, limite, je me suis dit, mais t'es cocu ma fille, t'es cocu. Donc j'ai trouvé le tome 6. De Psy Changeling, donc à 2 euros, encore une belle couverture, voilà, chez Milady. Donc marque de feu, trop contente. Ensuite, bah, j'ai trouvé le tome 7, donc toujours à 2 euros. Souvenir ardent, c'est là que je suis un peu moins fan, bah, je sais pas. Il y a un peu moins de couleurs, c'est ça. Il n'y a pas de couleur. Enfin voilà, c'est marron, c'est. Ensuite, j'ai trouvé bah, le tome 8. Là, il y a la couleur, j'aime bien. Donc c'est Lié par l'honneur. Et j'ai trouvé le tome 9.
Passion exaltée. Pareil, il y a de la couleur. Il me rappelle pas mal le premier tome, celui-ci. Ouais. Cette couverture m'a fait pas mal penser à la première. Elle a des beaux yeux. Donc je les ai trouvés à 2 €. Il me semble qu'il y a actuellement 12 tomes, je crois. Donc j'ai bien avancé. Il faut que je retrouve le 4 et 5. Voilà. Et le reste. Mais voilà, super contente à 2 €. Donc voilà, les autres, je vais essayer de les trouver comme les précédents sur Momox, ou continuer à aller faire des petits tours de temps en temps à Cache. Parce que ceci, j'en ai jamais vu à Emmaüs. Donc j'ai jamais vu Milady à Emmaüs. Non, je vois il y a des poches, mais j'ai pas vu des Milady comme ceci encore. Donc mais trop de la chance, quoi. Quand je suis arrivée, non, je croyais pas, quoi. Oh, direct, hop, vous venez avec moi. Et voilà. Trop contente de tout ce que j'ai trouvé. Voilà, je pense que j'ai eu de la chance. Mais en même temps, ça fait super longtemps que j'y étais pas allée. Donc je me dis, il y a plein de choses qui me sont passées sous le nez. Donc ce n'est que justice. Voilà. Hein, franchement. Je pense qu'il va pas tarder à se réveiller. Donc je vais vous laisser. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.